Je m'appelle Marc-Antoine Drouet, j'enseigne le français puis l'histoire au centre de formation Rimouski-Neigette à Rimouski en secondaire 4 et 5. J'ai décidé de participer à ce groupe de travail parce que fondamentalement, je trouvais que l'approche par les manuels puis tout ça prenait beaucoup de temps d'une part. Je constatais pas nécessairement que les élèves faisaient le transfert entre ce qu'ils apprenaient dans le manuel et la compétence à développer. Ça me prenait du temps à imprimer les documents. Je voulais rendre l'interface plus conviviale pour les élèves, la rendre genre 21e siècle un peu, sortir des livres papier. La manière d'utiliser la plateforme permet une rétroaction constante, puis permet aussi de garder les anciennes versions. On a toujours une historique des travaux qui sont faits. Ce que j'ai trouvé peut-être un peu plus difficile, c'est la quantité de nouvelles applications qui ont été présentées. Je n'ai pas été capable d'intégrer tout ça. De sites gratuits, mais qui offrent des possibilités limitées sous le mode gratuit. Bon, tout ça, ça a été des irritants pour moi. J'ai découvert les fonctions de base du drive, etc. L'année passée, avec Annie et Yannick, on a commencé à explorer Class Notebook. Cette année, j'explore Teams. D'abord, on a exploré un paquet d'outils, un paquet de sites, de différentes options pour présenter le contenu. Après ça, on a exploré essentiellement Class Notebook. J'ai trouvé plusieurs avantages à cette formation-là parce que ça m'a familiarisé avec des outils. Donc, j'avais pris déjà une longueur d'avance. Ça, c'était vraiment cool pour ça. C'était intéressant. Découvrir une autre manière d'enseigner par l'utilisation de... Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Les avantages, juste ne serait-ce qu'au niveau du temps. Comme je disais tantôt, mes documents sont pas... je pense que ça sera jamais complètement satisfaisant à mes yeux. Là, je suis toujours en train de les remodeler, de les améliorer, d'en recouper, de... La plateforme numérique permet de faire ça, permet d'avoir une espèce de corpus en constante évolution, puis on élimine, puis on remplace par une nouvelle version qui est un peu meilleure. Ça réduit le temps aussi de manipulation inutile, de documents enregistrés sur des clés USB qui sont perdus ou quoi que ce soit. On a tout sur une plateforme commune, rien ne se perd. Ça me permet en classe d'utiliser mon temps de spécialistes de l'enseignement de manière plus efficace. La marche est longue. Maintenant que j'ai une idée d'ensemble de tout ce qui peut être fait, j'ai l'impression d'être, tu sais, à l'orée de la forêt, là. En fait, depuis la pandémie, ce sur quoi je me suis consacré, moi, c'est de refaire une espèce de bibliothèque de contenu là, intéressante avec des hyperliens dedans que je peux monter dans Class Notebook, remplacer, somme toute, les éléments théoriques du manuel.